avait tenu le pouvoir d'une poigne de fer pendant 16 ans. Il est remplacé à la tête du gouvernement local par Abdallah Kamil. Au quatrième stop, il sera exactement 21h57 minutes. Kamil a tenté d'organiser mi-février à Tadjoura, en plein pays afar, une grande journée de réconciliation nationale. Les afars ont déchiré les cartons d'invitation, mais ils sont venus avec des pancartes et des cailloux. 57 minutes, 20 secondes. Politiquement, la situation n'est pas simple. Une petite dizaine de mouvements se disputent la future république, mais deux formations se détachent nettement. L'UNI, parti essentiellement afar, soutenu par les Éthiopies, la LPAI, Ligue populaire africaine pour l'indépendance, essentiellement Issa, aidée par la Somalie puisque les Issa forment une branche du peuple somali. Une exception de taille à cette classification, Ahmed Dini, membre de la LPAI, bien qu'afar, c'est cette position originale qui peut lui permettre demain d'être l'homme de la conciliation. Éthiopiens comme Somaliens accueillent, arment et entraînent des groupes extrémistes sur leur propre territoire. Évidemment, plus l'indépendance approche et plus les positions se radicalisent. Et l'UNI d'AREF, comme la LPI de Dini, sont constamment menacés d'être débordés par des minorités agissantes, jeunes et bien organisées. 58 minutes, 20 secondes. Vous manifestez pourquoi? C'est pour démentir les propos qui tiennent Abdallah Kamil et qui consistent à dire aujourd'hui j'ai toute la masse à part derrière moi. C'est pour démontrer ce mensonge-là. Et c'est pour sauver cette unité justement. Mais c'est pas mieux de discuter en palabrant autour d'une table? Nous voulons discuter avec les véritables responsables du peuple. Aujourd'hui, Abdallah Kamil et Ahmed Dini ne représentent qu'eux-mêmes et au plus, ils représentent quelques membres de leur tribu. C'est tout. Ils font du tribalisme. Mais les partis afar n'étaient pas contre les Français quand Ali Aref était au pouvoir. Ça c'est vrai. C'est pas que la masse afar, les masses afar n'étaient pas contre les Français, mais c'est M. Ali Aref et ses cliques qui n'étaient pas contre les Français. Il est vrai qu'aujourd'hui aussi, ils font semblant d'être des champions de l'indépendance. Et tout ce peuple qui vous entoure, il est au courant que c'est faux. M. Ali Aref n'a jamais été contre le colonialisme français, mais c'est pour récupérer ses privilèges perdus. Et vous voulez le départ de la France? Nous voulons le départ du colonialisme français. Nous aimons bien le colonialisme français et non pas le peuple français. Le peuple français, c'est un peuple ami avec lequel on peut faire beaucoup de choses. 21h, 59 minutes, 40 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement 22h00. Vingt-deux heures, zéro minute, dix secondes. Comment? Moi je commande la troupe.